Mort. Dis bête mort. Ah, oh, ça serait du boum. Oh, oh ni. Ça serait du boum. Mais yagabe, dans cette vidéo, je te donne 4 conseils pour apprendre le bassa à tes enfants. Hein? Le bassa à tes enfants. Quand tu es débutant, quand tu débutes comme nous, reste connecté à la vidéo. Djongdjong Lenje. Jorjemle Kenny. Ouyemandoki. Mais Mambasa Indokcho. Ugwe Pengwe Njomlinwe Nimina. Hey, ou basa. Meningilo Basa Indak ni Isulu Basa. Longue. Donc, maintenant, on commence avec les 4 conseils. Hein, quand tu es un parent débutant, comme moi, là, comme nous, quand on débute, quand on ne sait pas, comment on fait pour commencer, hein, à apprendre le bassa à nos enfants? Toi-même, tu sais que, hein, nous, les enfants, là, sont nés en France. Moi-même, je suis né en France. On est là, ils veulent pas parler le bassa. Oh non, ça, il faut faire ça tranquillement. Tu vois, tranquille, 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 hein, tranquille, tranquille. Oui, oui. Ok, donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as un enfant comme mon deuxième enfant que tu as vu au début de la vidéo, à l'introduction, hein, un bébé, tu vois, de 0 à 1 an, hein, tu prends simplement des mots. Premier conseil, tu prends simplement des mots et tu changes, tu mets en bassa, d'accord, tu vois. Alors, au lieu de dire le ventre, tu dis, Les boum. ou tu dis que hein, la tête, hein, tu dis, Non. au lieu de dire je ne sais pas quoi, on a dit au revoir, au lieu de dire au revoir, tu dis. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo pour les enfants, les petits bébés là. Maintenant, quand les enfants sont 3 à 5 ans là, tu vois, un peu là, ils commencent à parler, etc. etc., etc. Au lieu de dire, tu vois, on recommence encore, tu vas encore plus loin. Au lieu de dire, par exemple, la tête, tu dis. Au lieu de dire, par exemple, les épaules, tu dis. Bitou. Bitou. Au lieu de dire, les pieds, tu dis. Mako. Voilà. Tu vois, tu fais des trucs comme ça, au lieu de dire l'eau, tu dis quoi? Malib. Donc, toi, tu fais comme ça, tu vois, tu enlèves quelques mots français, tu mets à chaque fois les mots bassa. Maintenant, hein, deuxième conseil. Quand maintenant l'enfant, il a, je sais pas, de 5 ans à 10 ans, là, tu vois. Tu vois, là, tu commences maintenant à faire des phrases de 5 ans à 10 ans. Bon, au début, quand il est proche de 5 ans, tu peux même faire des chansons. Tu vois, tu fais des chansons. Des chansons comme fait et mobi tout, tu vois. Mobi tout, ma bon mako, ma bon mako, ma bon mako. Mobi tout, ma bon mako. Né de Saklana. Donc, tu vois, ça veut dire que la tête, les épaules, les genoux, les pieds. La tête, les épaules, les genoux, les pieds. Et on danse comme ça. Tu vois des petites chansons. Maintenant, quand tu vas vers les 8, 10 ans, quand tu vois, non? Là, tu commences à faire des petites phrases avec lui. Tu vois, au lieu de dire que donne-moi de l'eau. Tu dis quoi? Même aller Voilà. Surtout aussi, voilà, quand tu lui dis, tu veux lui demander, tu dis tu m'aimes, voilà, c'est ça, c'est très bien. Ou tu peux aussi dire alors, par exemple, amène-moi mes chaussures. l'on a même bitam Bitangwem. Tu dis voilà, et les formules de politesse aussi. Tu peux lui dire voilà, au lieu de dire s'il te plaît, il dit. soho Au lieu de dire merci, il dit. miyega Au lieu de dire bonjour, tu lui dis. miyega Tu vois? Tu vois, quand tu approches des 8-10 ans, là, tu vois, tu enlèves des mots et tu dis des phrases simples. C'était le troisième conseil. Maintenant, le quatrième conseil, quand tu as des gens comme ça, là, des adolescents, c'est dur, hein? Il est regardant, hein? Il est. Ok, c'est dur. Dans ce cas-là, là, c'est ce que tu fais. Tu peux utiliser des nouvelles technologies. Oui, comme regarder nos vidéos. Voilà, voilà, tu regardes les vidéos de la chaîne Parler Bassa pour les nuls, pour les débutants. Tu fais comme ça, tu les mets, ils regardent avec toi. C'est bien, ils aiment bien YouTube. Voilà. Ou sinon, on vient de découvrir une application qui s'appelle Bassa Visual. Bassa Visual. Donc, on va l'essayer là, tu vois. On est en train de voir, c'est pas mal. Il y a une partie apprentissage, une partie encore quiz, une partie dictionnaire et une partie pour t'évaluer. Donc, en plus, il passe la SICO en même temps. Donc, voilà. Donc, on est en train d'évaluer et tout. On te mettra le lien pour télécharger en bas si tu le veux. On n'a aucune action avec eux, mais c'est pas mal ce qu'ils font. Maintenant, on fera après une autre vidéo pour te dire ce qu'on pense de côté positif et négatif de Bassa Vézoir. Et c'est sur Google Play.
Oui, ça c'est pareil, si c'est Google Play, c'est Google Play. Ils vont trouver. Et donc voilà, tu vois, non? Tu vois. Donc on récapitule les cités. Première idée pour les petits enfants en bas âge, on avait dit quoi déjà? Les mots. Voilà, les remplacer les parties du corps, tu vois, très très simple, le ventre, le machin, etc. Et tout. Et faire des gestes, surtout faire des gestes, hein, pour les enfants de bébé, comme tu as vu le mien. Deuxième conseil pour les enfants de, comment dire, de 5, oui, de 23, 5 ans, comme ça, comment ça parler. Remplacer encore des mots aussi, ou des mots de politesse, ou des mots simples aussi, ou des mots du corps, hein, tu vois, nob et tout, voilà. Les chansons aussi, les petites chansonnettes, si tu connais, voilà. Pour les enfants qui sont de 5 à 10 ans, machin, des petites phrases simples, hein, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire, j'ai faim, hein, comme tu dis, j'ai faim. J'algorithme. Voilà, donc tu vois comme ça, voilà, des petits trucs simples que tu vas dire à chaque fois, où tu dis un peu en français. Et le dernier conseil pour les ados, utilise les nouvelles technologies parce que c'est ça qu'ils aiment bien. Regardez nos vidéos. Et puis nos vidéos, bien sûr. Et puis tu likes aussi, hein. Tu likes, non? Et Tu mes likes, non? commentaires. Tu mets le commentaire si tu as aimé, hein? Et puis tu partages, hein? Mais même bébé, hein? Alors, partage. Voilà. Bon, à bientôt pour la nouvelle vidéo. Oh, 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 oh. Oh, tu dois regarder, oh, oh. Oh, oh.